Et oui, bonjour à tous, bonjour et bienvenue, c'est le Bulldog. Et non, c'est pas moi Mario, c'est Wario. Ce soir, WarioWare Incorporation, Mega Micro Game, un truc comme ça, hein, si je me trompe pas avec ce titre à rallonge, je pense qu'on peut se le dire. C'est un titre à rallonge quand même qu'on a aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on va pouvoir quand même, je l'espère, bien s'amuser avec ce Mario, ce Mario mini-jeu. Désolé pour le léger retard, mais rien n'était prêt et puis j'ai eu un petit souci de d'ordinateur en plus. Est-ce que je pourrais pas faire, par exemple, ça? Est-ce que ce serait pas mieux si je faisais ça? J'ai l'impression que c'est mieux. J'ai l'impression. Ça va être mieux. Donc, bref, bienvenue tout le monde. Et donc, Mario, je vais peut-être baisser un petit peu, ça a l'air un peu fort ici. Et je vais devoir me mettre les écouteurs pour profiter de la musique parce qu'on est sur la GameCube et que c'est un setup un petit peu différent d'habitude, pardon. Donc, commençons aussi par regarder un petit peu ce magnifique, je pense qu'on peut le dire, ce magnifique manuel de Mario. Je sais pas s'il y aura grand chose à dire dessus. Bienvenue à Diamond City, et oui. Il y a plein de mini-jeux, il y a plein de jeux à Diamond City. Et Wario, il sait comment ça se passe. Il y a de l'argent à se faire, et oui. Du coup, il a récupéré ses amis pour l'accompagner, pour créer un jeu vidéo et du coup une montagne d'argent. Donc la compagnie, c'est la WarioWare Incorporation, est prévue en plein et organisée en plein milieu, hein, en plein cœur de Diamond City, la ville diamant, hein, et est prêt à faire des affaires. Et salut Ganon, avec le profit en priorité principale. Wario et ses amis ont créé une collection de plus de 200 jeux super rapides, des jeux qui, comme ça quoi, designés pour tester vos réflexes à leur limite. Les contrôles sont simples, mais les jeux, il y a du challenge néanmoins. Simple, mais pas simpliste. On a un instant pour se préparer et un instant pour réagir. Le livre des secrets de Mario, de Wario, attention, vous donnera quelques conseils pour jouer. Et il y a quelques petits secrets également. Voilà. Donc voilà, Wario qui a des trucs à nous dire là-dessus. On a une petite carte, c'est de la ville Diamant. Ville, hein, on l'a vu tout à l'heure, Wario a l'air d'être le président du monde de la ville. Sinon, il y a la notice en français aussi. Oui, mais ouf. Ah ouais, en dessous, attendez. Ah ouais, c'est malin. Putain, tu t'as acheté ça, t'avais un bouquin, il faisait 2 kilos. Bah ouais, mais c'est marqué où? Ah, c'est là. Bon, enfin, on vous laissera le lire, mais voilà. On peut bouger contre le personnage avec la croix directionnelle. Et on peut faire A, confirmer un choix. Ça a l'air d'être assez tranquille. Je pense qu'on va réussir à trouver comment commencer à jouer. On a le danseur disco qui fait du sport. On a le gamin de la vieille école qui fait des jeux plutôt typés Nintendo. C'est 9 volts. Je suis encore au collège, mais j'aime les vieux trucs. J'ai fait une compilation de classiques rétro qui te feront arriver en retard en classe. Viens me voir pour les essayer. Je fais tourner les vinyles pendant que tu joues. Les jeux Nintendo sont les meilleurs, alors tu peux imaginer ma surprise quand j'ai découvert que Wario habite dans... Enfin, je veux dire, habite dans sa ville. On a l'étudiante futée. Qui fait du bizarre. On a les cinglés du taxi, Doc Tribble et Splits, et qui font les jeux un peu de science-fiction. Docteur Krigor, je sais pas pourquoi j'ai Docteur Gignac alors qu'il y a genre deux lettres ou comment. Le ponte, hein, du laboratoire, et on a Orbulon, la forme de vie intelligente qui fait des trucs un peu d'intelligence.
Et enfin, les ninjas du bac à sable. Enfin, ça, si c'est pas les meilleurs, les ninjas du bac à sable, Kat et Anna, parce que du coup, ça fait Katana. Et oui, on rigole. Nous sommes Kat et Anna. Ouais, on est mignonne. Et on est de jeunes ninjas. Alors que pourquoi est-ce que ça s'appelle pas Janine? On est déçus. Mais Kat Anna, c'est pas mal aussi. C'est quand même pas mal. Apparemment, on serait diplômé de l'école Wario. Section bac à sable. En tout cas, c'est ce que dit le graffiti sur le mur. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, les professeurs n'étaient pas très contents. Eh, on rigole. Katana, je retiens. Bon jeu de mots, bon jeu de mots. Bon. Déjà, on est quand même sur plutôt de la bonne humeur et de la rigolade. On peut jouer à deux. Malheureusement, Madame Gugu n'est pas là, mais sinon, ce serait fait un plaisir de jouer à deux à ce jeu de mini-jeu. Je pense que ça se prête très très bien au fait de jouer à deux. Et ensuite, Bienvenidos a Diamantepolis. Mais on va pas lire en espagnol ou en portugais. En espagnol? Bref. On va pas lire en espagnol. Bah on connaît, voilà, Wario il a décidé de faire un jeu vidéo. Vous voyez là, hop, on le voit, il est en train de faire son jeu vidéo. Et du coup il n'y arrive pas, tout seul, et il se dit, et si j'ai appelé mes potes? Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses potes. Voilà. Bon, bref, passons sur le jeu, parce que ça va bien 2 minutes cette histoire. Est-ce que j'ai du son? Ah oui, ok. J'avais pas de son parce que j'étais pas sur le bon écran. Bref. Est-ce que je peux jouer? Est-ce que je peux appuyer sur les boutons et il se passe des trucs? Ok, appuyer sur start, c'est bon, ça marche. Oh, je peux mettre mon nom! On a plein de... Ton stylet? La petite lettre? Non, on s'en fout. Vas-y, quel nom? Ok. Ok, c'est bon, merci. Oui. Salut Satsuke! Eh ben, ça va très bien. On est un garçon, voyons. Malheureusement, madame n'est pas là. Et on est à Diamantville. Diamant City, ça rend mieux quand même. Tout de suite. Et on est sur vieille console, là, Satsuke, j'espère que ça te fait plaisir. Dites-moi si le son est bon. Il est peut-être un peu faible, je sais pas. On est là sur la musique est cool. Tu crois que t'as le niveau? Je pense que c'est pas mal. Putain, mais il fait du trampoline. C'est le pire mec. Ce bordel. Oh, trop facile. Ok, c'est en mode énergie. On sait qu'il y a une seule touche, de toute façon, ils ont dit. J'ai réussi à mettre mon t-shirt, mais quelle connerie! Ah non! J'ai perdu une vie, ok. J'ai raté ma bière! Boss, ok, boss, boss. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Que se passe-t-il?
Complètement rebou. Bien joué, au tour de Jimmy. Ok, donc là on a introduction. C'est jeu de sport, Jimmy. Son jeu est faible. Ok. J'augmente. Dites-moi si c'est mieux. T'as pas la musique ni rien. Ah merde. Tu peux encore augmenter un petit peu. Tu peux toujours augmenter, hein. Dites s'il y a besoin. Tu veux jouer à mes jeux? C'est sûr. Ça va, mec, c'est sport ou c'est creepy chelou, lui? Oh yeah. Oh yeah. Putain, ce soir chez Michel, c'est soirée disco. Ok, faut sauter dans le bleu en fait. Ils sont assez géniaux pour l'instant, les Ok, merde, speed up. Ah, fallait éviter, putain, fallait éviter. Mais non, mais oui, mais je suis bête, j'ai appuyé trop vite là, beaucoup trop vite. Ça, j'ai, ça, celui-là, je l'ai. Celui-là aussi. Oh yeah! Oh yeah! Gardant dans l'âme. Ah mais fallait... Oui d'accord, je pensais qu'il a sauté beaucoup plus haut. J'ai comment. Mais bon, c'est vraiment bien fait pour de la GBA, non? Oh merde! Ils m'ont contrôlé le tapis et pas le mec! Quelle connerie! Bon, il y a plus de jeux que de transitions, mais les transitions sont cool aussi. Heureusement que vous avez le son, parce que sans le son, c'est quand même dommage. C'était presque. Ah, c'était vraiment presque. Speed up. Je sais pas moi, qu'est-ce que speed up? Come on, come on,
Madame Picaré. Oh yes. G. C'était vraiment au tout dernier moment pour ce truc. Ah mais speed up, speed up. Un peu trop tard je pense. Oh yeah. Bon c'était un peu nul mais j'ai eu. Mais ouais. Quelle connerie. Quelle connerie celui-là. Boss. C'est pas fini? Cette danse de l'angoisse. Quel groove! Tes moustaches, on dirait un peu une note de musique. Tu l'as fait. Tu atteins les trois suivants. Ah, on a Monsieur Dribble. Et la SF. Une étudiante un peu stylée. Enfin, une étudiante stylée. Stylée, les étudiantes stylées. Ou café glacier. Donc ma voix est pas complètement décalée aussi. Normalement j'ai fait gaffe mais... Je suis jamais sûr de rien. Genre elle a une cape. Non c'est sa veste. Mona Pizza, c'était Mona Pizza, j'ai pas fait gaffe. Mais si c'est Mona Pizza, c'est très drôle. C'est presque aussi drôle que Katana. On va être en retard. Oh non, la police. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a un éléphant qui sort du scooter? Pour avoir une valeur à la pizzeria. Oh, il va acheter des pots de banane. C'est Diddy Kong. J'ai raté ma tartine. Genre, il manquait quoi, une dent? Ouais, ça je connais ça. Oh j'ai eu.
mais putain, mais c'est dégueulasse. Ah, et là, je me fais arrêter, je me fais envoyer en prison. Je suis pas surpris, hein. Je suis pas surpris. En même temps, dans l'intro, il se cure le pif, Michel. Avec le petit doigt en plus. Après, il y a la tartine du petit-déj, ça, ça va. La physique de con hein, de certains mini-jeux, c'est impossible à faire. Celui-là, il est bidon. Oh, j'ai tellement eu. Oh, il est tellement horrible, celui-là. J'ai pas compris. J'ai compris trop tard. C'est l'autre sens, putain. Fallait faire. Enfin, en fait, je sais pas si c'était la main ou l'autre truc qu'on bougeait. Ça. Hey! Sauvé. Dernier. Ah putain, ma main! Et là, on va retenter le boss. Okay. Parfait. La classe. Excellent. C'est ça. Dernier. Un succès. Ça va, je me suis sauvé. C'est bon, on arrive au travail à l'heure. Eh, c'est vrai que c'est Mona, donc c'est Money Pizza. Nickel. Bon, il y a les enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les enfants? Pourquoi il y a des pandas? Il y a des enfants. Ok, mais pourquoi il y a des pandas avec? Eh, mais il y a Michel qui a la pizzeria aussi. La gelati, là. Sors d'ici. Waouh, Zig, mec, tu l'as fait. Qu'est-ce qu'il y a? Faire une... Ah mais ça c'est du deux joueurs. Des corvées de poubelle. Mais je peux pas le faire moi tout seul peut-être. Ok. Ouais, mais du coup, non. Ok, les taxis diamants. Tant pis, les mini-jeux de joueurs, on va pas les faire parce que c'est sur la même manette, quoi. Mais c'est un peu bidon de les faire tout seul. Mmh.
en train de s'occuper de leur taxi. À côté encore, il y a des actions chez les pizzas par ici. Oh, c'est là. La musique est encore trop bien. Je suis vraiment impressionnant. C'est improbable, ça a rien à faire là. Mais c'est trop bien. C'est vraiment la musique du taxi, quoi. Ça compte? Non, ça compte. Ok, j'avais rien à voir seulement. C'est juste le blanc. Ok, il marche, il marche. Le robot est valise. Il y a plusieurs qu'on a déjà fait au tout début. C'était bien. C'était bien. Oh putain. T'en as 3 points de vie là en plus. Et merci Twin pour le reste, bienvenue à tout le monde, j'espère que vous apprécierez l'ambiance mini-jeu décalé. Ah si on a 4 points de vue au début. C'est le Tifa, j'espère que Tifa tu vas kiffer. Pour l'instant c'est méga bien. Ça joue un peu. Et pour l'instant, on s'amuse bien. Oh, je l'ai eu. Pas... Eh, mais c'est Mario! C'est genre un vieux Mario dégueulasse comme Bowser des étoiles, quoi. Ça va de plus en plus vite. À... Bum, bum. C'est la tombeuse entre les ballons de foot, ça n'a aucun sens. On va faire les meilleurs robots. Bam, bam. Ah, je l'ai tellement pas eu. Si, je l'ai eu. Il en fallait un. Ah, j'ai raté Noble. Hey,
Ah mais j'ai encore... Ah, je connais. J'ai joué à beaucoup trop de shmup dernièrement pour me faire voir là-dessus. C'est la planète, c'est Planète Sauvage, ça, référence. Les bruitages, quoi. Oh, j'ai eu ma bière. Ce coup-ci, je l'ai eu. Ah, on est niveau max, ça veut dire. On est niveau max, en fait. Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est dégueulasse. Et là on arrive. Parce que sa mère l'appelle. Et c'est la mère. Voilà. Il a pas une énorme bosse dans son pantalon le mec. Ah mais c'était un sirène. Je pense que c'est son genou mais. Mais bon. Ou alors c'est le fait de voir une sirène. Oubliez la note. Enfin, c'est pas comme ça qu'ils vont faire du pognon, hein. Eux qui sont là pour gagner de l'argent. Du coup, ils vont faire quoi? Ils vont aller à la pizzeria? Ils mangent des petites glaces. Des glaces italiennes d'ailleurs. Votre référence à des trucs. Waouh, Zig, joli! On s'est trompé sur toi. On va pas faire ça parce que c'est pareil, c'est deux joueurs. On va aller faire 9 volts. Collège diamant. Il y a un putain de dinosaure. Ah mince, fait rempli, ok j'ai... Ah
Ah mais il y avait un poisson de ses morts. C'est un peu du plagiat. Ah putain c'est F0. Mais j'ai pas de vie. Alors on a de la vie dans F0. Oh, je l'ai eu pile dans le truc. Ah, ça, je connais. Mes grands-parents, ils avaient ça. Oh. Tiens, le moustique. C'est pas un moustique, mais on a qu'à dire que c'est un moustique. J'ai perdu un Metroid, putain. J'ai perdu un Metroid. Un poisson, voilà, c'est plus facile. Si un jeu apparaît, on dirait un Pokémon. Duck Hunt, j'ai joué une fois et c'est hyper facile. Tiens la mouche. Faut rien se le faire à celui-là. J'ai pas compris. J'ai vu feu. Ok le boss direct. Quelle angoisse! C'est nul hein, c'est des tirs nuls là que je fais. C'est horrible. Mais quel bâtard! Quel bâtard! On est reparti, roule le boss. Ah là, ça c'est un bon coup. C'est pas terrible, mais on l'a. Putain, elle est pas bon. Et là, ça sort plus de l'écran aussi, c'est vachement plus facile. Ouais, quand c'est pas, quand ça sort pas de l'écran. Dernier arrivage. Qu'est-ce qu'il veut le chien? La GBASP est là. Venez la chercher. C'est un overboard en fait. À la pizzeria aussi, tout le monde vient à la pizzeria. Bah, il joue à la Game Boy dans son coin, super.
même pas y manger une petite pizza. T'assures, je m'incline, tu gagnes. Et ouais. On avance vite, mais... C'est ça. Hey, hello. Mais c'est heureux, Jimmy. Oh, no. Un mix funky de Dribble, Mona, Novot et moi, Jimmy. Il y a un nouveau téléphone. Wow. Ah putain. Pourquoi ils ont remis la même inertie du cul? Bâtard, il a fait une balle enroulée, mais elle est enroulée avec ça d'ailleurs, de toute façon, je sais pas si j'ai besoin de l'arrêter celle-là. Ah bâtard. C'était tendu à cause de la bestiole là. Limite, limite, limite. Oh, j'ai réussi pour une fois que j'y arrive. On va se faire. C'est juste que je bourre. Et game over, game over. C'est pas grave, on peut faire. Vas-y, relis les points. Pardon, je suis désolé de bailler, je suis vraiment claqué. Heureusement que le jeu est cool parce que je pense que j'aurais été facilement pas très tolérant avec des jeux à la con. Bon, là, c'est typiquement un jeu à la con, des jeux à la con même. Ah mais ça c'est Mario qui est Bowser en mode Dragon Ball Z dégueu. Tiens, c'est le mec de Minute. Je suis derrière, tiens. Ça c'est horrible. Le fait de contrôler le trampoline, c'est horrible. C'est complètement con, le truc de l'airbag. Impossible, ça bouge tout seul. Enfin, tu fais haut, mais il va en haut à l'infini, tu peux pas juste le faire monter un petit peu. F0, c'est gratos. Oh yeah.
j'ai fait plein de Mario 60, Mario 35. Je connais de ouf. Ça se passe mieux que tout à l'heure. Hein. C'est souvent qu'il faut que je le fasse deux fois en même temps. Ah là, c'est de gauche à droite et pas de bas en haut. Ok, ok. Et bah, le jeu, ok, du début, qui était en fait des deux bidons et on a plus droit. Très bien. J'ai cru que j'étais mort deux fois, moi. Oh, méga puissance, 100. Je vais laisser aucune chance à cette arme. J'ai raté le coup et après c'était trop tard. Quoi? Oui, son step. Pardon. C'était un peu. Fallait. Mais moi, c'est encore 2 PV. Ah, mais non! Mais... J'ai eu au timing, absolument des timings. Ok, on arrive au boss. Après, est-ce que je vais l'avoir du premier coup? J'ai pas moyen. Oh, c'est la bagarre! Il a un point de vue de plus que moi, le salaud. Cette tête de con. Trop facile la bagarre. Du coup, on a réussi le boss. Ah, mais c'est pas fini? C'est fini. Francky Vincent, il va se calmer un peu. Kizouk, mais bon. Avec sa banane là. Joli rythme. Oh yeah. Il y a Dicor Krieger, il y a 4. Allons voir 4. On ira voir Anna plus tard. J'imagine que c'est la fin. Oh, au château de Zig, c'est chiant. Si je me fais attaquer par un fantôme de Grévoux, ça. Oui, sauvez-moi. C'est moi ça? Trop pas. Please. Ninja Girl, sauve-moi. La vie, c'est chez moi. Où est-ce qu'il s'appelle Château de Zig? Chez tout le monde, je pense pas. Et hop, Ninja Pizza Girl, bah, ils vont bientôt être à la pizza. Hein. Je pense. Trop stylé, j'ai un petit chien qui a dit ça. Hein. Et pourtant, je me sors pas dessus. C'est ça, être sympa. C'est un sac à dos. Un sac à dos de chien. Parce que ça existe, oui, les petits sacs à dos de chien. Comme ça, le chien, il peut porter des affaires quand tu vas faire une balade.
La musique qui fait très Kill Bill. Hein. C'est pas Kill Bill, mais en tout cas, il fait très film dans ce genre-là, mais ça fait très Kill Bill, je trouve. Oh, une saucisse à roulette. Con escargot qui devient méga gros. Petit curieux volant, ça c'est trop mignon. Les touches sont vraiment absurdes. Il y a des fois c'est pas clair ce qu'il faut faire. Et t'as 3 secondes pour comprendre. Oh, il est tombé amoureux, il est devenu tout rose. Ça veut dire quoi ça? Ok, ok, je voyais pas ce que c'était, mais hop. Il gueule après, c'est contre pingouin. C'est passé de je sais pas comment. Ah non, j'ai raté, du coup je suis mort. Ok, on a pas le droit de rater. La musique est géniale, hein. C'est vraiment ouf. Mais c'est de la GBA quoi, dis-nous que ça c'est de la GBA. Ça c'est. J'ai pas compris ce qu'il allait faire du tout, mais genre du tout. Tu es tenace. Bah oui! En même temps, j'arrive avec mon pote chien là. C'est trop bien l'escargot, il est vraiment trop bien l'escargot. Oh! Oh les bâtards! Genre il manque un petit bout de la queue et c'est bon, ça compte pas quoi. Oh le bâtard. Oh le gros bâtard. Du petit doigt. Les cerises et des fruits, on peut attraper. Ah non, mais oui, mais je me suis pris le caillou, mais. Je suis passé pas loin de me faire écraser. Mais putain, mais... J'ai perdu. Et j'ai reperdu. Ça devient dur, ça devient sérieux là, c'est sérieux ce business. En fait, c'est pas du tout des signes chinois en haut, c'est juste 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon là, je l'ai eu, je l'ai bien eu. Il est complètement con ce mini-jeu là où tu croques les trucs. T'as juste à appuyer sur A. Good work. Non mais non.
Oh non, j'ai raté. Voilà. C'est tendu, hein. C'était tendu encore une fois. Puis il me faut le caillou. Non, non. Ah mais il fallait que je... Je pensais que j'étais le chat, je pensais pas que j'étais le parapluie, quoi. À quel moment on se dit, tiens, on est le parapluie? Trop bien, c'était Sergo. Qu'est-ce que c'est? Il a pas fait de fin pour requin. Normalement, c'est easy gob. Je sais pas comment je fais pour monter tout à l'heure. Ok, là c'est speed up, note à 10. Je m'en sens pas mal là pour l'instant. Du coup, je l'avais pas, mec. Je vais pas trop salaud en petit, plutôt généreux. Je trouve, en tout cas, que ça va. C'est bon, c'est boss. Voilà, là j'ai ma bière. Pas clair tout à l'heure ce qu'il allait faire. Ok, j'ai sauté suffisamment tôt, mais heureusement, vous pouvez rester pas mal en l'air. Il est resté un connard. Il a pas moche, horrible. C'est le boss, ça, non? Ça saute tout seul, en fait. Quel con, putain! Mon Fuji derrière, vous pensez? Ou qu'il mange Jaro? Oh, c'est mon Fuji.
J'ai fini dans le verre de menthe. Tu vois, je suis un citron qui va dans le verre de menthe. La tête de menthe. Il reste le chien. Mais oui, c'était sûr. Il se transforme en épée géante. Ça, c'était pas évident. Allez, ça, c'est les ninjas du bac à sable, ça déconne zéro. Bravo. Quelle force. Et là, on va prendre notre pizza, je pense. Une pizza bien méritée, d'ailleurs. Peut-être pas. Ce chien, il est génial. J'ai vraiment beaucoup trop fan de ce petit chien à pull. Et non, on va pas prendre de pizza? Ah. Ah, si. Et elles sont là, du coup, les Ninja Pizza Girls. C'est bon. Le lore est respecté. Prince Zig, tu es vainqueur. Eh oui, c'était donc bien mon manoir, et c'est je suis prince. On l'avait pas dit encore depuis le début du jeu, mais ça fait plaisir. Donc c'était 4. Allons affronter Orbulon, on est désormais. On est dans notre vaisseau cochon. Un vaisseau cochon parce qu'il a une forme de cochon, hein, pas parce qu'il s'y passerait des trucs un peu olé olé. Enfin, peut-être. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de se faire sauver par des lapins. C'est ça, c'est des lapins de l'espace. Ce jeu est énigmatique, admirable, horrible. Comment je peux le deviner? Ça pour faire des pattes. 1, 2, 3, 4. Mais j'ai... Pourquoi? C'est bien ça. Hein? Ah non, ok. J'ai pas vu qu'il y avait un truc sur le côté. C'est pas facile. Mais comment, hein? Je crois que là, il y a quand même un total de beaucoup de mini-jeux que j'ai pas écouté. Ah, c'est la même. Même solution, même énigme, même solution. Peut-être que je compte plus vite. Orange,
J'ai failli mettre celle de gauche, mais en fait, elle était la croix était là. Zigoui et... Fantastique, et oui. Trouver ce qu'il y a en dessous. Un coin en côté. Qui est pas un coin. Qui est arrondi, un arrondi. Un coin, enfin bref. Ça c'est plutôt facile. Ah, faut choisir celui qui est pas pareil que les autres. Ok, là j'ai compris. C'est celui-là. C'est évident. Trois grosses tortues et une normale, une grosse. Ah, c'est tellement nimp. Truc de l'air. Ça va, tranquille, tranquille, ça. Oh le boss, je me plains pas mais... C'est Faminos! Tu peux attaquer, que fais-tu? J'attaque! Ça chatouille un peu. Faminos attaque, que fais-tu? Fuir! Ça c'est Faminos, ça t'a fait avec deux balles. Et c'est la magie qu'utilises-tu? Outrage, orage. Il bat de l'aile, dernière chance. Appuie sur A, attends, mais il a pas d'aile. Oh putain. Ok. C'est par toi nos pouvoirs, t'as rien. Et il va arriver à la pizzeria. C'est trop ça. Je l'ai vu venir. En fait, j'ai vu qu'il pleure et moi je suis à la pose du cul. Bzz. Tu as terminé. Mauvais calcul. Bon allez, docteur cigare là. Il est en train de boire de la limonade. Ah non, il est en train de mélanger de l'eau oxygénée sans doute. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Pourquoi il a qu'une seule botte? Et un seul gant? Il est trop fashion en fait. Ce vieux rip-off de Robotnik. Bah ouais, bah si c'était de l'eau oxygénée, tu m'étonnes qu'il est mal au bide. Il va aux toilettes là, c'est ça? Ah, je pense qu'il va aux toilettes. Ah mais va aux toilettes, Michel, qu'est-ce que tu fais dans ton... Ah, il va aux toilettes. Est-ce qu'on va avoir droit à un mini-jeu dans les chiottes du scientifique? Exactement, exactement. Exactement. Oh mais putain, mais quelle connerie. Je vais couper assez vite. Oh
speed up déjà? Oh non! Il était pas endormi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Putain. Ah, j'ai pas eu le temps. J'étais encore resté sur le Labrador. Le chien, il est trop bien. C'est tellement souvent inattendu, mais le chien, c'était un peu plus inattendu que... Alors que le chat était très bien aussi, bah... Mais... Ça, c'est presque classique, quoi, en coupe escalope. Le steak, je sais pas quoi. Concombre. Mais non! Ça, c'est pas un concombre! Déçu que le jeu dans les toilettes, la banane, faille pas sa foule dans le cul un peu derrière. Genre j'ai fait tellement comment je pensais. Oh j'ai eu le chat. J'étais pas prêt aux larmes. J'attendais le chien, mais j'étais pas prêt pour les larmes. Je suis désolé, j'étais pas prêt. J'espère que vous avez mangé, hein, parce que sinon ça peut donner faim. Mais... Les mini-jeux de la bouffe, quoi. On y passe toujours un jour. Donc, les mini-jeux donnent faim. Mais l'entre-mini-jeu donne pas tant que ça faim. Je vois ce qu'il faut faire. En fait, j'ai eu de la chance, j'ai déjà appuyé sur un truc. Ok, on va un petit peu. Il est trop bien. C'est Céleste. C'est le boss, ok, on est chaud pour le boss. Je suis quoi moi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a trop de temps à gagner pour le speedrun. Oh le bâtard! Pourquoi je me fais attaquer par une cruche qui jette des cailloux aussi? Ah, j'ai encore deux feuilles de papier toilette.
ça va être tendu là pour le dernier, je sens pas. En fait, ça a été. Ok. Ah, c'est bon, maintenant qu'il a été faire caca, Michel, il va pouvoir aller manger une pizza. Comme tout le monde. On apprécie ses horloges à 4 aiguilles aussi. Comment ça? Ah, bah non, mais ça, c'est pas terrible ça. Ça, l'inondation des toilettes. L'inondation, c'est pas terrible. Mais l'inondation via les toilettes, c'est vraiment, vraiment la pire. Jetpack. Non, c'est le petit oiseau qui était avec qui était avec Katana. Kat et Anna. Très bien, en réalité, ma théorie Zig est validée. La théorie Zig. Je suis une théorie maintenant. Je suis un prince et une théorie. C'est encore Jimmy. Et là, ça va être les versions dures des mini-jeux d'avant. Ça va être vénère. Ça groove toujours autant. Oh, c'est le téléphone rose. Enfin, c'est pas le téléphone rose, le téléphone rose. La banane. Je connais. En fait, faut compter quand elle passe, voilà, c'est bon. Ah, la tête. La tête dégueulasse. Ah non, j'ai raté le deuxième petit cœur. Zig et... Moche, mais nique-toi le jeu. Nique-toi bien, pauvre. Oh, je l'ai eu. J'ai eu ce con de chat. J'ai vu trop tard, c'était quoi la différence? Oh yeah. Citron. C'était un citron. Il y a un chat, il est marron et vert. Hein. Ah non! J'ai raté! J'ai raté la 13 sur... Non, c'est la 13 sur les... Non, c'est la cerise sur le gâteau et pas la fraise sur le gâteau. J'arrive pas à le dire. Le chèque, c'est n'importe quoi. Quel jeu de merde. C'est vraiment un jeu à la con. Les soupes. Enfin, les pâtes. Du poisson pour aller avec les pâtes. C'est en train de concombre. Et du coup, on mange tout ça. Vas-y.
toute ma vie. Oh, j'ai une vieille racine dégueulasse. Une vieille carotte nulle. Un truc. Hein? Ah, c'est un chou. Je savais pas ce que c'était. C'était un chou. J'ai pas bien vu la première fois. Oh, un croissant. Mais où est-ce qu'il est, le croissant? Oh, il est là. Je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. Est-ce qu'il va avoir le chien? Oh yeah! Go, 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 go! C'est trop bien, c'est trop débile. Non. J'arrive pas du tout, pas du tout. J'ai fait au pire, j'arrive pas à compter. Et c'est toi! Come on! Qui arrose les plantes depuis en dessous? Oh yeah! Oh, j'ai pas eu! Je n'ai pas eu non plus, les bâtards. Ah, tellement rien. Là, c'était à rien. C'était à rien quand même. C'était à rien du tout. C'est pas possible d'être autant à rien. Tu l'as. Si. Si, en effet, si. Je l'ai raté. Ouh, bah, je pensais que je l'ai raté. J'ai raté le poil de fion. Ah mais non! Ça va. Hey DJ, come on. Aucune idée, aucune idée, au pif total. Enfin pas total total mais presque. À l'instinct. Hey, hey. Oh, yeah. C'est direction, c'est pas A en fait, ok. Ça c'est toujours aussi bien. C'est quoi? C'est un verre du cul ou c'est un croissant? Ah, il y a assez dégueulasse. Oh, je l'ai pas. C'était sûr, j'appuie trop. Vous êtes là, monsieur? Tute la voiture. Je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir, je vais tellement pas l'avoir. J'ai su direct, j'ai su que j'avais fait une connerie. J'allais pas l'avoir. Je l'ai pas eu. Oh yeah. J'ai cru que je l'avais pas. C'est un gros steak ça. Je pense pas qu'on puisse couper un gros steak avec un petit coup comme ça. Pour le beurre. Plus facile celui-là, je trouve. Peut-être pas exactement, mais en tout cas, là ça m'a paru plus facile. Endormir, je suis tellement pressé d'aller dormir. Je pense tellement à plus en pouvoir de la vie.
Hey, come on. Come on. DJ. Go. C'est tendu, hein. Oh yeah. Okay. Go. C'est pas terrible. Et ça passe. Et c'est pas terrible. Oh yeah. Oh yeah. J'ai pas compris ce que c'était. Je crois. Alors que ça, bon, on comprend pas trop. Allez, c'est facile. Ah, il est trop... Le mieux, c'est ses petites oreilles, hein. Ah, ça t'embrouille. Ok. En fait, ça. Je suis trop fan de chien. Oh, la boxe encore. Ok. Tiens, prends ça. En fait, si tiens, j'ai boxé avec un... What? J'ai boxé avec un casque de réalité virtuelle. Sauf qu'en fait, on est dans la vraie vérité véritable. Oh, le bâtard! Il me reste de la vie, non? Il me reste plein de vie, je le défonce, là. Putain, c'est trop... C'est comme The Messenger. Tiens! Ça va quoi? Pour l'instant, il a appelé un chien et un mouton, et là, il va appeler quoi? Ah, c'est Wario! Ça, c'est Wario! Wario qu'on n'a pas vu encore! Enfin, si on l'avait au tout début, mais depuis on l'a pas vu. Terminé, t'es cool, mais ouais, c'est Wario. On arrive à la fin. Ah, mais il y a des nouveaux trucs là. Je suis pas sûr d'avoir envie de le faire. Sois à la corde pendant une heure. Tiens, Wario, est-ce que tu vas aller chercher une pizza? Toujours en train de se venir sur son ordi. Mais jure, elle est plus dure. L'important, c'est pas d'avoir la plus dure. Il est pas aussi son ordi. Ah ouais! On est dans l'ordi carrément! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est full bugué en fait! C'est full bugué, je croyais qu'il y avait un truc! Ils ok, on est reparti. Ah non. Parce que j'ai pris la vieille rampe du cul qui marche pas. Ah mais ça tient pas. C'est à chaque fois que je quitte. Que je refasse le début pour que ça tienne un de plus. Ça va être chiant. Ouais, non, c'est même pas ça. J'ai l'impression que la première fois qu'il y a un mini-jeu, il bug. C'est ça.
Pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je dois faire du flipper avec ces putains de crottes de nez? Pourquoi? À quel moment? À quel moment? Oh, c'est tout petit. Je sais où tu vas dire un truc comme ça. J'ai eu ou pas? J'ai pas eu. Ça a l'air de tenir à peu près hein, pour l'instant. Et bien sûr, fallait que j'ouvre ma gueule. Il fallait que j'ouvre ma gueule. Exactement. Lol, exactement. Fallait que voilà. Qu'elle est possédée cette voiture saucisse. Voilà, comme ça on les charge. J'ai l'impression que une fois qu'on les a eu une fois, après le truc. Bah on aime bien manger des hamburgers. Si on le connaît. Je sais pas tout ce que c'est qu'on attache, mais j'aime pas être à sa place. Ah putain! J'ai raté le truc. Je l'ai pas là. Pourquoi? Quel nom? Ah, fais chier. Je l'ai eu. Bon, la saucisse elle passe au-dessus. Easy. Elle faisait pas ce qu'au début la saucisse hein. J'ai encore. Mais il se fout tout de moi. Je sais pas si le problème qu'il y a, il vient genre de la ROM et du coup je peux rien faire, ou si il vient de la cartouche, il faut souffler. Je pense que c'est un jeu en particulier, toi, qui te ferais planter. Ah, peut-être, ouais. Je sais pas ce que je peux faire du coup. Celui-là. Sans doute celui-là. C'est le mec qui vient de voler tes fruits dans Animal Crossing, ça. C'est celui-là, je pense. Ah non, c'est peut-être celui-là aussi. Okay.
Tu l'as. Comment faire? Si je fais ça, ça va rebégayer. Tu peux l'avoir comme ça. Celui-là. C'est la saucisse. Là, j'ai plus. Alors, on peut tout apprendre par cœur et réussir. C'est pas impossible. On va faire autre chose. Bon, je pense à que ce que je fais ne servira à rien. J'ai soufflé dans la carte SD. Qui y croit ici? Qui se dit souffler dans la carte SD, ça marche? J'y crois pas du tout. En tout cas, sachez que de mon côté, ça ne marche pas. Après, je me doutais, hein, vous voyez à cet écran d'intro qu'il y a moyen que ce soit un peu... Mais je me disais, bah, ça va marcher. Notre art du jeu, non. Non, là, c'est mode impossible. On va voir si ça bug pas. Salut, Little May. Mais non. C'est le mode facile, en plus. Bordel. Ok, requin man. Un requin, si on saute trop tôt, il s'arrête et il... C'est l'air d'avoir marché, en fait, de juste souffler dans le bordel. Ah putain, c'est dégueulasse. Allez là! Je l'ai pas raté pour la première fois sur 10 CC! Ok, ça speed. Ça c'est bon, ça va, j'en ai marre des ballons là. J'ai appuyé avant de savoir ce qu'il allait faire. On s'est trop entraîné aussi sur celui-là. Hein? J'ai pas compris. Mais je suis trop con. Bon, ça fonctionne. Le bon côté, c'est que ça fonctionne de ouf. C'est le niveau qui est buggé, hein. Donc il est toujours buggé, mais il est pas buggé pareil. On voit juste rien, mais ça fait pas bugger le reste, donc c'est cool. Ça passe. Et on l'a vu, c'est le niveau Mario Bros.
Oh putain, là j'ai raté. Là j'ai raté, oui. J'ai raté. Pourquoi il est tout petit? Je suis pas mort, apparemment je suis pas mort. Le jeu a décidé que j'étais pas mort, c'est le jeu qui décide. J'ai pas compris. J'ai des aliens. J'ai raté la grosse banane. J'ai réussi à choper la bière. C'est Super Mario Bros. C'est Mario Bros. 3, 4 ça. Hein? Mais je pensais qu'il fallait que je me chope. Fallait que je réussisse à pas me faire choper pour pouvoir continuer à manger le gâteau. Tant pis, hein, on accepte de perdre une vie ici. Oh le bâtard! Oh ce que je l'ai mis! Oh bien l'attraper là en plus, en plein milieu de la main, une bonne prise. Je rate. Là, j'ai rien à... Je rate. Rod de Neyman. Tu peux récupérer une vie quand tu le touches deux fois? Pourquoi est-ce qu'il y a trois dossiers? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir faire 100 points? Mais non, mais je l'ai raté encore, mais il passe trop vite. Ça me pendait au nez, hein. Le nombre de fois où j'ai failli me faire exploser la tronche, ça me pendait au nez. Allez là! Je commence à comprendre que je le fais trop tard et qu'il faut que je fasse avant le moment où je me dis que c'est bon. Hein. Mais il est passé au-dessus depuis tout à l'heure la saucisse! Et là, elle passe pas au-dessus. Ça, c'est toujours bidon. Ça, c'est vraiment bidon. Ça aussi, c'est bidon. Allez! Je suis apparu dans le cul du truc là. Là j'étais beaucoup trop. Oui j'étais beaucoup trop doux. Pas mal, propre, semi-propre, ok, propre.
Allez, je l'ai eu. Je suis en train de faire comment? Quand je saute, elle saute, quand je saute pas, elle saute pas! En vrai, comment on fait? On fait pas, on se fait défoncer, super! Ah, je l'ai raté! Le mind de la saucisse, bah ouais, mais bon, ça fait chier quoi de se faire minder par une saucisse à roulette! Tiens, pour le coup, la bouée saucisse, hop! J'ai mis grossesse dessus. C'est chaud. Je pense que je me prenais le camion. Ah oh, putain, mais c'est tellement de la bite. Est-ce que j'ai recommencé parce que j'ai raté direct? Oui. Facile pour te donner. Lui il est bidon aussi. Je dis ça mais je vais peut-être de le rater. Ça c'est facile aussi. Non. Vous allez m'entraîner sur ce mini en fait. Juste celui-là, celui de la cible de... Je l'ai vu. Je sais ce qu'il faut faire, hein, mais j'ai juste pas de visuel, donc... C'est vraiment... Ah mais putain, mais je suis nul. Tiens, la saucisse. Oh les bâtards. En fait, faut attendre de voir si elle saute ou pas. Et si elle saute ou pas, tu sautes ou pas. Oh, j'ai pas eu le temps de tirer. Dommage. Et j'ai 3 vies encore. Ah, mais j'ai pas eu le temps de tous les tuer, ces cons-là.
Ok, en fait, on est le... Voilà. Hein ? C'est l'inverse. C'est tellement cool, putain. Ah, il a été facile, celui-là. Le boss. De toute façon, je finis le jeu maintenant. Ah ouais, c'est double punition, enfin piège. Je l'ai pas attrapé. Et j'ai plus de vie. Faut refaire. Mané par le requin en tout cas. Et j'ai eu la part de pizza qui tourne. Et j'ai la pièce à la bug. J'étais à gauche. J'ai fait droite, taxo à gauche et elle était à gauche. Là les étoiles sont alignées, c'est bon. C'est la bonne. Après je commence à en connaître une bonne partie par cœur. Hein. Ça s'apprend assez vite. Bon, lui, c'était sûr, j'avais plus trop de temps à tirer au début. Mais lui, il continue à me faire vraiment trop flipper. C'est cool, il y a la route, il s'est dégagé, hein, c'est bien. J'ai raté. Mais ouais, mais celui-là, il n'y a pas de temps. Ah, oh, j'ai rien vu, j'ai rien eu le temps de voir. Donc, c'était pas la bonne. C'était presque la bonne. Ça ressemblait à la bonne. Mais en retard. Trop facile. J'étais à droite. C'est vraiment l'instinct. L'instinct qui parle. C'est un chasseur. Je sais pas s'il y a moyen de manger tout le sandwich en une bouchée. Je l'ai. Et ouais, mais je me suis pas fait bander par la saucisse. C'est vrai à tous. C'est vraiment con ça, putain. On peut aller écraser le mec après. J'ai raté encore. C'est vraiment au pif, hein. Je fais un pas. Au pif, c'est au pif, c'est au pif.
Celui-là, par exemple, il est bidon. T'appuies sur A et c'est bon, quoi. Je veux dire, y a pas moyen de rater. C'est pas comme la jauge de force, on peut appuyer au même moment sur A. Et celui-là, il est impossible. Il est impossible, celui-là. Il est impossible. Ok, re le boss. Il était pas très dur au début, le boss. La musique a quand même continué à être méga stylée depuis le début du jeu. Là, c'est full embrouille. On saute par-dessus. Et là, on attrape. Oh, on a un jetpack. Ok, on met des gros coups de boule. Double jetpack, triple jetpack, quadruple jetpack, 5 jetpack, 6 tubes. Qui êtes-vous? Oh, 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 le 1 cycle. Le 1 cycle. Oh, j'ai récupéré un caca doré. Il pleut de l'argent. Mais quoi? Comment j'ai fait une direction, ça a pas marché. Cours, bah oui, bah cours, mais cours comment? À quel moment c'est pas les directions pour courir? Et c'est A. Et encore, je dis A parce qu'il y a que A que du coup il reste, parce qu'il y a que deux boutons, mais. Enfin, 5. Le D-pad ça compte comme 1 ou 5 boutons. Facile. J'ai réussi celui-là par contre, première fois je crois. En beaucoup de fois. Ouais mais lui. T'as tellement pas le temps à celui-là, tu rates un virage, c'est fini. Impossible. Oh, meilleur score. Boss. Boss, mais j'ai qu'une seule chance. D'accord.
J'ai raté. Est-ce qu'on va vraiment faire un... On a 4 cycles là déjà, on va faire un 5 cycles nul. Plus facile de le tuer en un coup. Quand même, on va pas se mentir. J'avais tellement réussi à le tuer en un coup tout à l'heure. Bourré A. Faut bourré A, c'est court et il faut bourré A. Arrête de te retourner! Et bah ouais. Il va sortir du PC. Trois semaines plus tard. Ce jeu Wario. Il va se vendre. Et voilà, et on a gagné plein de pognon. On est devenu riche. Et on pique l'argent aux autres. Parce qu'on est un gros connard en tant que Wario. Pizza qui a pas réussi à sauver le monde du capitalisme. Pire décollage de fusée. Putain, professeur Sigor. Oh, du génie ce professeur. Et du coup, l'argent qui va pleuvoir. Où l'argent? Je sais pas. Oh yeah. Oh yeah. Vroom vroom. Oh putain. Bon, ce jeu est complètement con. Faut pas les prendre maintenant, vous boules de rien. Les prends pas maintenant parce que... Comment dire? C'est la fin là. C'est la fin. On va pas épiloguer, je suis claqué, donc on va pas épiloguer. Donc on va juste procéder au tirage, bien entendu, du jeu de la semaine prochaine, lire 2-3 critiques. Oh Zig, c'est moi. Bon, j'avais prévu aussi un petit on s'en fout, je laisse toujours tout le monde. Quel connard. Aïe, c'est un con. Voilà. C'est un con. Il y a des trucs à débloquer. À moins qu'il y ait des trucs qui se débloquent. Qu'est-ce qui se débloque? Boston. Genre Boston, c'est quoi? Hôtel du futur. Ah ouais, on a juste les bases. Ok, ouais, c'est juste les bases. J'ai un peu la flemme. À moins qu'il y ait un boss de Bossland. Pour se reposer. On va y avoir le staff. C'est ce qu'on vient de voir en fait.
Il y a les mini-jeux là qu'on n'a pas fait. On fera peut-être ces jeux un autre jour. Enfin, ça, franchement, ça. 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 Est-ce qu'on a vraiment envie de se faire chier? Ah, c'est Katana! J'ai lancé donc. Je sais pas si vous nous souvenez du temps qu'on avait pu passer sur les mini-jeux de Spectra Ball qui étaient nuls à chier en tout point, sauf la musique qui avait le mérite d'être suffisamment nulle pour être parfaitement géniale. Eh bien, vous comprendrez aisément que là je suis chaud quoi. Même si je me déteste un peu moi-même de faire ça. Ah mais si on saute et qu'il y a rien qui nous touche le cul, is ok. Yo Farazviel, ça va ici. Bon, je suis au bout de ma vie. Mais on va tester skateboarding aussi. On est parti, on les teste tous à Lego. Ah ouais, je me souviens, je l'avais fait, j'étais mort au premier truc. Je suis en avance. Pourquoi il y a mes moi qui me suivent. J'étais mort au premier piège comme ça, sauf que c'était le deuxième piège du niveau. J'ai fait chier à tout faire au meilleur score possible. Et bien moi, je ne vais pas faire ça. Parce qu'il n'y a pas de rétro achievement sur ma Nintendo GameCube. J'ai vraiment pas de chance. Paper plane. Eh oui. En même temps, pour être dans un avion en papier, faut clairement pas avoir peur. Dommage. Mother à finir. Bah, je sais que j'oublie pas Mother à finir, mais comprenez-vous bien que j'ai lancé Hades par... D'ailleurs, j'ai complètement oublié de jouer à Dishonored d'hier. Genre, Dishonored? Comment? Diso quoi? Bon, mais cette semaine, je suis méga claqué. Je sais pas pourquoi, j'ai... Après, ça, c'est les trucs de joueurs, donc ça... Ça, on fera peut-être une session avec Madame Louis pour finir. Si un jour on a envie de jouer à un jeu quand même marrant. Quand même, on va pas se mentir, c'est un jeu qui était particulièrement drôle, particulièrement cool. Avec. Attendez. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là, non? Il est dans cela? J'ai pas tout débloqué, mais tant pis, hein, c'est la vie. C'est la random vie. Où est-ce qu'il est? Il est pas là-dedans? Ah non, il est dans le truc random, chien futur. Ah oui, mais ça, on l'a pas. Comment que ce soit dans lui? Non. Où est-ce qu'il est? Never forget. Never forget. Le meilleur. Le meilleur mini-jeu. Avec ses putains d'oreilles. Est-ce qu'il y en a où il a trois pattes après? Je suis désolé. Je sais que c'est de la merde. Et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. On va maxer. Celui-là, on le max. Celui-là, obligé, on est les boss dessus. Non, tout est trop bien, le sound design du jeu est trop bien, la musique est trop bien. Visuellement, c'est il y a tout, mais tout marche, c'est assez génial. Et puis il y a ce chien. Comment ça, 299? On peut aller jusque là? Oh, je l'ai.
La musique dans le taxi, elle est géniale. La musique avec le ninja, elle est géniale. Tout est génial. Non, franchement, le jeu, il était super bien. Je pense que c'est un des meilleurs jeux qu'on ait eu. Dans le choix du public. Oh non ! Oh non, le chien ! Non ! Le pauvre, quand il pleure, c'est aussi parfait. Avec son petit museau qui... C'est trop bien, Farazuel, Hades. Hades, c'est vraiment, vraiment trop, trop bien. C'est vraiment trop bien. C'est presque aussi bien que WarioWare Microgame machin. Bon. Écoutez, oh, j'ai une petite fleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, la petite fleur? Est-ce que ça veut dire que genre, je suis... Ah, c'est-à-dire que j'ai un record. Top là. Marque 15 points. Donne la patte. Donne la patte, le chien. Donne la patte. Mon chien. Ah, pour toper. Voilà. Non, franchement, bon, c'est dommage, il y a la moitié des mini-jeux qu'on n'aura pas vu. On peut revoir les épilogues à chaque fois. Genre, si on veut revoir le moment où Kat est au Vanna. Écoutez, voilà. Non, honnêtement, ouais, super. J'hésitais à faire un petit classement un peu des jeux du choix du public, ou leur mettre une petite note, genre sur 5. Ça, je pense que ça prend 5 sur 5, c'est trop bien. Y a rien qui marche pas dans le jeu. Après, c'est un jeu complètement con, mais il marche bien, quoi. Il y a juste 2 joueurs, je sais pas ce qu'il vaut. Mais en tout cas, à faire comme ça, c'est super cool. Je pense que c'est un très bon jeu pour jouer 10 minutes dans le bus le matin. Ou genre de truc. Ou pour jouer 2 heures jeudi soir. Ça marche.